Depuis le début de la soirée, Gabon Télévision est en direct du Sénat. Eh bien, sachez que ce journal se fait en alternance avec la session plénière qui se tient actuellement au Sénat. Le chef de l'État, Brice Clotaire-Oligui Nguema, a procédé à la dernière cérémonie de descente des couleurs de l'année 2023. C'était cet après-midi à l'esplanade du Palais de bord de mer. Les détails dans cet élément, Prisca Mugula Bartel Boisse. L'attachement à la mère patrie et le respect des symboles de la République, comme le drapeau, le chef de l'État ne cesse de donner l'exemple à ses concitoyens depuis le coup de libération du 30 août dernier. À l'occasion du dernier vendredi de l'année 2023, le président de la République, accompagné de la première dame Zita Oligui Nguema, a accompli un devoir républicain, celui de présider l'ultime cérémonie de descente de couleurs, tout en adressant ses vœux les meilleurs pour 2024 à l'ensemble des agents de la présidence de la République. Que l'année 2024 qui arrive à l'horizon soit pour nous une année heureuse, une année où nous devons réaliser tous nos rêves, où nous devons tout faire pour que le Gabon marche et que le Gabon fonctionne dans la plus belle des droitures. Et je sais compter sur vous. Je sais compter sur votre efficacité, sur votre dynamisme. Le patriotisme, ce sentiment d'appartenance à son pays, participe au maintien de la cohésion sociale et au respect des obligations civiques, des valeurs qui concourent à la bonne gouvernance et au développement.